bienvenue. Nous allons vous expliquer comment remplacer une électronique bus première génération par un modèle de dernière génération. Commencez par couper le courant de la motorisation et vérifier l'absence de tension avec un appareil adapté. Ôtez la vis de maintien du boîtier électronique au moteur. Enlevez le boîtier électronique défectueux et installez la nouvelle électronique en lieu et place de l'ancienne. Remettez la vis de fixation. Pour effectuer le nouveau raccordement, nous allons procéder élément par élément en commençant par l'antenne. Pour cela, débranchez les fils des bornes 1 et 2 de votre ancienne électronique et branchez-les sur les bornes de la nouvelle carte. Les cellules, quant à elles, restent sur les mêmes bornes. Débranchez les fils des cellules des bornes 3 et 4 de l'ancienne électronique et branchez-les sur les bornes 3 et 4 de la nouvelle électronique. Concernant tous les points de commande filaires, débranchez alors les fils des accessoires des bornes 3 et 4 de l'ancienne électronique pour les brancher sur les bornes 5 et 6 de la nouvelle. Les accessoires qui ont besoin d'une alimentation à 24 volts sont branchés sur les bornes 5 et 6 de l'ancienne électronique. Débranchez-les pour les raccorder sur les bornes 7 et 9 de la nouvelle. Le feu orange clignotant passe des bornes 7 et 8 aux bornes 8 et 9. Concernant vos moteurs, sur l'ancienne électronique, le premier moteur est branché sur les bornes 9 et 10, le second sur les bornes 11 et 12. Raccordez-les respectivement sur les bornes 10 et 11 pour le premier moteur et 12 et 13 pour le second moteur. Éclairage zone. Passe des bornes 13 et 14 aux bornes 14 et 15. Enfin, l'alimentation de 130 volts. Passe des bornes 15 pour le neutre et 16 pour la phase aux bornes 16 et 17 sur la nouvelle électronique. Pour enregistrer la télécommande, posez-la sur le boîtier sans cacher les voyants et faites un appui bref sur le bouton que vous souhaitez utiliser pour l'ouverture totale du portail. Pour enregistrer une ouverture piétonne, recommencez cette manipulation en appuyant sur l'autre bouton. Pour lancer la programmation, appuyez sur le bouton que vous venez d'enregistrer, le portail s'ouvre. Une fois le portail ouvert, donnez un nouvel ordre avec la télécommande pour le refermer. Répétez une seconde fois une ouverture suivie d'une fermeture. La programmation est terminée. Merci pour votre écoute et à bientôt sur notre site samfi.fr.